plus que des acrobaties. Une chorégraphie aérienne, parfaitement maîtrisée, à 4000 mètres d'altitude. Le freestyle et free fly, deux disciplines, deux danses du ciel où tous les mouvements sont permis. À quelques minutes du grand saut, dernière répétition pour ces athlètes bourguignons. Je fais ma virgule en dessous. Je lance comme ça après. Et je ressors, ouais. Okay. Cyril Collin est vidéoman. C'est lui qui va filmer les chorégraphies réalisées par son fils, Lucas, vice-champion de France en freestyle. C'est pas le saut de libre qu'on a travaillé toute l'année, mais on a travaillé aussi ces figures-là. Et le but, c'est de ramener l'image en assez gros de Lucas, qui n'ait pas de décadrage, qu'on voit toujours sa tête, ses pieds, ses bras. Quand on y va sans stress, c'est là où on est les plus performants, pour ma part en tout cas. Donc on essaye de faire le vide dans la tête et de partir pour un bon saut. Et c'est parti. 45 secondes de chute libre, un enchaînement de figures artistiques imposées, à plus de 300 km/h. Au sol, le jury regarde, scrute et note la qualité des sauts. Rien ne leur échappe. Ça va être l'esthétique, ça va être la tenue du corps, ça va être le travail entre les deux performeurs, vidéo et performeur. Si on n'a pas d'image, ben, même si le performeur fait un magnifique saut, si j'ai rien pour juger, ben ça va sanctionner. Mais aucune sanction pour Cyril et son fils. Il récolte un 8 sur 10 et son deuxième au classement. Ouais, déjà. On a fait chacun le job, je pense, mais ouais, il a vraiment grave assuré, c'était vraiment top, quoi. Réaliser la performance dans ces championnats de France est crucial. Car les meilleurs sont sélectionnés en équipe nationale pour participer au championnat du monde de parachutisme. C'est la première année comme ça où on a, on va dire, l'embarras du choix pour pouvoir avoir des compétiteurs de bon niveau. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que quand on rentre en équipe de France, derrière, on ne va pas faire de la figuration, c'est vraiment pour aller chercher la médaille d'or. Et l'or est à décrocher dans quelques semaines aux États-Unis. Une compétition mondiale pour une discipline spectaculaire, où tout est possible, là-haut, dans les nuages.